Madame, mon absence n'a pas nui à votre beauté. C'est votre retour qui me donne un peu d'éclat. La guerre est donc finie. Moi, je l'admire beaucoup, hein, cette jeune héroïne. Quoi. Il y a quelque chose d'elle que je trouve vraiment admirable, du fait qu'elle soit pas dans le moule, qu'elle soit pas, qu'elle soit tout à fait anticonformiste et qu'elle ait décidé de vivre sa vie aussi comme elle l'entendait. Donc, à la fin, ça reste un visage en résistance. Dans la nouvelle, elle mourait. Là, Bertrand n'a pas voulu la faire mourir parce qu'il avait la sensation de la punir et qu'il n'avait pas envie de la punir parce qu'après tout, elle n'a rien fait de mal. Et voilà, elle n'est pas morte à la fin, quoi. Elle est vivante et elle est certes déçue. Elle se retire de l'amour comme Chaban s'est retiré de la guerre, mais la vie n'est pas finie. Alors après, ce qu'elle deviendra, ça, je ne me suis pas posé la question. Moi, le film s'arrête, je m'arrête avec elle. Non, c'est folie. Aucune folie, puisque nous nous sommes donnés l'un à l'autre depuis toujours. Pas donné, promis. Je pense que en fait l'amour de ces deux personnages, de Guise et de Marie, est assez particulier. C'est quelque chose qui existe depuis l'enfance. Donc forcément, c'est un amour qui va évoluer avec l'âge. Je pense qu'au début, il y avait peu enfin, c'était quelque chose de voilà de c'était les prémices de quelque chose de charnel, de sexuel, mais ça restait un amour d'enfance. Après, forcément, ça évolue plus vers quelque chose de charnel. Attention, les vieilles nous regardent. J'étais longtemps une petite Lolita, mais ce qui me paraît un peu normal, quoi. J'avais 16, 17, 18 ans. C'est l'âge où on est pleine de grâce, quoi, à cet âge-là. C'est la fin de l'adolescence. Effectivement, voilà, il y a encore ces marques d'enfance, et notamment chez Mélanie, qui est plus âgée que moi, mais qui parfois est même plus enfantine. Je pense qu'elle a conservé dans ses expressions, dans son visage. Donc oui, je pense que c'était parfait pour Bertrand. Vous êtes homme de sentiments. Quand notre Guise est homme d'impulsion. Je l'ai toujours été, sans jamais renoncer à mes sentiments. Je ne raisonne pas, je ressens. Je reste fidèle au mouvement de ma foi. Je trouve que c'est un vrai plaisir pour un acteur, surtout pour un acteur comme moi qui a souvent eu des rôles peu bavards, d'avoir comme ça des textes, des beaux textes sur lesquels s'appuyer au travers des différentes scènes. Alors bon, après, c'est vrai que moi je me suis posé la question aussi, je me suis dit en même temps, peut-être que je reçois plus de films d'époque que de films contemporains, je sais pas. Je me suis dit peut-être que j'ai un physique qui fonctionne bien dans les films d'époque. Je n'ai pas la réponse. Mais en même temps, je trouve ça formidable puisque c'est rarement la même époque. Donc ça me permet de voyager comme ça un peu à travers l'histoire. Je n'ai pas changé, Marie. Votre impudence, monsieur. Je n'en veux plus. Il n'a cessé de vous regarder. Techniquement, le plus difficile, effectivement, c'était ces scènes de combat. Parce que Bertrand, notamment sur ce film, a pris le parti pris de faire des plans très longs, très souvent des plans séquences, et notamment pour les scènes de combat. Donc ça, il nous avait prévenu dès le départ, et il refusait qu'il y ait une doublure pour quoi que ce soit, donc on a dû tout faire nous. Parmi les hérétiques, comme vous les nommez, j'ai vu autant de grandeur et de cruauté que chez les catholiques. J'avoue être sans complaisance pour le spectacle de ces batailles. Je n'y vois que le sang et l'horreur. Je n'y entends que les cris de la souffrance. Moi, j'aime bien Chaban. J'adore la relation qu'ils ont. Et j'ai le sentiment que Marie, à la fin du film, se rend compte qu'elle s'est trompée. Qu'elle a laissé passer l'amour de sa vie, finalement, c'était avant tout Chaban, quelque part. Parce que oui, ils ont des discussions comme ça où elle attend d'avoir son accord intellectuel, que ça parle poésie, que ça parle littérature, que ça parle peinture et que d'avoir la tête dans les étoiles comme ça et d'être dans la confidence, dans l'intimité, d'avoir quelque chose de très singulier. Je trouve que c'est une belle histoire qu'ils ont ensemble. Je crains pour vous, madame. Ne vous trompez pas d'étoiles.